Bienvenue sur Info Express. Aujourd'hui, nous plongeons dans une actualité bouillonnante en Algérie. Entre remaniement politique majeur, tensions diplomatiques avec la France et la Tunisie, et un boycott économique stratégique. Une analyse détaillée qui vous révélera les enjeux cachés derrière ces événements marquants. Restez avec nous, car chaque détail compte. Remaniement en Algérie, la montée de Chingria. L'Algérie a connu un remaniement politique de grande ampleur. Le général Saïd Chingria, jusqu'ici chef d'état-major influent, entre officiellement au gouvernement comme délégué à la défense nationale. Ce geste symbolise la militarisation accrue de l'appareil gouvernemental. Parmi les autres changements notables, un nouveau ministre de la Justice, Lotfi Boudjema, et la nomination de Walid Sadi, ancien président de la Fédération algérienne de football, au ministère des Sports. Ce remaniement intervient juste après la réélection du président Abdelmadjid Tebboune, qui a choisi de maintenir Nadir Larbaoui comme premier ministre. Quelles sont les implications pour l'avenir de l'Algérie? La France et l'Algérie, un geste symbolique, mais ambigu. Alors que les relations franco-algériennes sont sous tension, Emmanuel Macron a tenté un geste fort en commémorant Larbi Ben Midi, héros de la guerre d'indépendance algérienne. L'ambassadeur de France en Algérie a même déposé une gerbe sur sa tombe à Alger. Mais ce geste suffira-t-il à apaiser les tensions? En toile de fond, le soutien officiel de Macron à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental reste perçu comme une trahison par Alger. Les relations bilatérales semblent coincées entre symbolisme et désaccords stratégiques profonds. Football et politique, le dérapage tunisien. En Tunisie, le sélectionneur Kaïs Yaacoubi a déclenché une controverse majeure en insinuant que l'Algérie et le Maroc utilisent des moyens financiers pour attirer des joueurs binationaux comme Amine Gouiri ou Rayan Cherki. Ces accusations ont provoqué des réactions indignées en Algérie, où les médias dénoncent une tentative de discrédit. Cette polémique reflète les rivalités croissantes entre les nations du Maghreb, même dans le domaine sportif. Guerre économique. L'Algérie boycotte le blé français. L'Algérie a décidé de suspendre ses importations de blé français en réaction au soutien de Macron au Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Cette décision, qualifiée d'arme économique par Tebboune, pourrait coûter cher à la France, autrefois principal fournisseur de blé de l'Algérie. Mais ce boycott a aussi des conséquences potentielles pour l'approvisionnement algérien. Cette guerre économique est-elle durable ? Le remaniement politique en Algérie, les tensions diplomatiques avec la France et la Tunisie et les mesures économiques musclées démontrent une Algérie en quête d'affirmation sur la scène régionale. Ces enjeux complexes montrent que chaque décision prise aujourd'hui façonne le paysage politique et économique de demain. Partagez votre avis en commentaire. Quel impact ces événements auront-ils selon vous? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.